Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous commençons avec la joie des Oazalendo qui chantent leur victoire. Et voilà qui ont le moral, voilà. Eh bien, je reprends cette émission parce que la précédente comportait un écho dérangeant. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Voilà. Eh bien, je commence par la gifle que la Russie a donnée aux États-Unis. Eh bien, je dis aux États-Unis parce que c'est le porte-parole du département d'État, M. Miller, qui se plaignait. Et voilà, je vais commencer par une illustration. Je vous mets une image d'illustration. Alors, il s'agit de la Russie qui a sorti son veto. Ouais, pendant que je cherche. Qui a sorti son veto pour s'opposer. Pour s'opposer au contrôle nucléaire. Et voilà, c'est ça, je pense. Pour s'opposer au contrôle nucléaire exercé par le Conseil de sécurité sur la Corée du Nord. Voilà, vous pouvez voir là, Russian Federation. Ouais, j'agrandis pour que vous puissiez voir convenablement. Voilà, ça c'est le représentant de la Fédération de Russie au Conseil de sécurité. Donc il se plaint contre les Occidentaux. J'ai vu la vidéo. Il dit que les Occidentaux ne se comportent pas bien par rapport à la Russie. Eh bien, la Russie a utilisé son veto pour s'opposer à l'entraide que s'octroie mutuellement la Corée du Nord et la Russie en matière des armes. Alors, je peux lire là, Moscou impose à l'ONU la fin de la surveillance des sanctions contre Pyongyang. Pyongyang, c'est la capitale de la Corée du Nord. La Russie a mis son veto jeudi à un projet de résolution prolongeant d'un an le mandat du comité d'experts chargé de surveiller l'application des sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord et son programme nucléaire. Voilà, chers compatriotes, giflez Bango et Zalikara États-Unité, giflez Occident en général, parce que l'Union Européenne, les États-Unis, à contre. Mais nous savons que la Russie est en guerre contre les États-Unis. Bon, ça nous arrange, nous peuple de la RDC, parce que nous savons maintenant que si jamais il y a des sanctions demandées contre la RDC, nous avons la Russie
avec son veto. La Chine aussi, elle soutient la Russie dans ce problème. Donc, suivons. Oui, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Benzia. Voilà. Alors, la Russie a imposé jeudi 28 mars la dissolution du système de surveillance des sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord et son programme nucléaire. Un coup de force fustigé par les États-Unis et ses alliés dénonçant la protection mutuelle entre les deux pays. Oh là 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 là. Maintenant, il y a la plainte de Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ce qu'a fait la Russie aujourd'hui avec cynisme sape la paix et la sécurité dans le monde. Tout cela pour favoriser un troc vicié que Moscou a scellé avec Pyongyang. Sur de l'armement notamment, a réagi Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain. Ah oui, nous savons que, bon, la Corée du Nord, ce qu'elle fait là, ce n'est pas du tout bon, mais dans le cas d'espèce, nous avons intérêt à avoir la Russie derrière nous, et les pays du BRICS comme l'Afrique du Sud, hein, parce qu'en face de nous, nous avons l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, qui nous font la guerre en utilisant le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et maintenant l'Angola, le Congo-Brazzaville, tout ça contre nous. Eh bien, pour nous fournir en armes, nous avons des pays amis, hein. Déjà en Europe, nous avons la Hongrie, ouais. Nous avons la Serbie. Nous pouvons compter sur les pays du BRICS, hein. Alors, de son côté, Séoul a qualifié de décision irresponsable le veto de la Russie via un communiqué du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Ah oui. Oui. La Corée du Sud maintient ses sanctions. Bon, la Chine, quant à elle, elle a dit s'opposer aux sanctions imposées aveuglément à la Corée du Nord par l'ONU. Voilà. Voilà. C'est une gifle. C'est une gifle à l'Occident. L'Occident, les États-Unis et l'Union européenne, ça veut dire l'OTAN. Le comité d'experts pris pour cible. La Corée du Nord est soumise depuis 2006 à des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU liées à son programme nucléaire, renforcé plusieurs fois en 2016 et en 2017. Mais depuis 2019, la Russie et la Chine mettent notamment en avant la situation humanitaire de la population nord-coréenne, réclame l'allègement de ces sanctions qui n'ont pas de date de fin. Ah oui, nous savons que malgré la dictature de Pyongyang dans la Corée du Nord, ils mangent mal, hein. Ils mangent très mal. Ils vivent sérieusement très mal. Voilà, malgré cela, bon, n'ayant pas obtenu gain de cause, les Russes ont pris pour cible le comité d'experts chargé de surveiller l'application de ces mesures, comité dont les rapports font référence. Malgré plusieurs reports du vote pour permettre les négociations,
La Russie a ainsi mis son veto jeudi à un projet de résolution prolongeant d'un an le mandat de ce comité. Le texte a recueilli 13 voix pour. La Chine s'étant abstenue. L'ambassadeur russe Vassili Nabenzia a justifié ce veto en estimant que dans les conditions actuelles, le comité n'a plus lieu d'être, se concentrant sur des questions sans intérêt, pas à la mesure des problèmes auxquels fait face la péninsule. Il avait à la place proposé au Conseil une réévaluation du régime des sanctions. S'il y avait un accord pour un renouvellement annuel des sanctions, le mandat du comité d'experts aurait un sens, a-t-il expliqué. Une proposition soutenue par la Chine. Voilà, Bazui. Donc, et l'équité, affaiblir Bango. Voilà. Il faut que vous ayez la peine ma puissance, Moko. Et Bisaka Bango, non, c'est non. Et nous, on en profite, hein. On en profite. Donc, Batouana Bazana Posa, Babi Misape, sanction contre la RDC, hein. Donc, la Russie à Zawana, Chine Pé à Zawana, pays Mosusu, Balingibiso, Zawana, notamment les pays africains, d'autres pays africains qui sont dans le même cas que nous, qui rejettent l'impérialisme occidental, hein. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali et tous les autres. Maintenant qu'il y a un opposant qui a gagné les élections au Sénégal, je pense que la France-Afrique va souffrir, hein. Ce n'est pas Macky Sall, hein. J'espère que le jeune homme qui a remporté les élections, bon, j'ai oublié son nom, et que il va résister à l'impérialisme occidental, notamment l'impérialisme de la France. Voilà, chers compatriotes, je vais passer maintenant au sujet suivant, c'est-à-dire le sujet qui concerne Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a remis son travail au président de la République. Ça veut dire que bientôt il y aura un premier ministre. Voilà, chers compatriotes. Vous permettez, j'aime bien illustrer mes informations. Alors, je vais illustrer cette information par une image. Les images parlent aussi, hein. Fichier image, les images parlent. Alors, je n'ai pas grand chose, mais je peux proposer ceci. Permettez, est-ce qu'ici même je n'ai pas l'image? Et voilà ce que je vous propose comme image. Et voilà, vous voyez Augustin Kabouya qui est là, qui remet ses travaux au président de la République. Il a consulté. Il a consulté la majorité. Il a trouvé une coalition majoritaire pouvant former le gouvernement. Oui. C'est plutôt par là que je trouve l'information.
Alors, Augustin Kabuya, Malobinin, RDC 52 jours après sa nomination, l'informateur Augustin Kabuya vient de déposer les conclusions de sa mission. Ah oui, hein. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience ce 29 mars l'informateur Augustin Kabuya venu déposer les conclusions de sa mission à la Cité de l'Union africaine. Nommé le 7 février dernier, 52 jours après, Augustin Kabuya termine enfin sa mission après avoir identifié formellement une coalition parlementaire après les arrêts de la Cour constitutionnelle. Il appartient au chef de l'État d'user de son pouvoir discrétionnaire pour la suite des événements, a-t-il déclaré. Il s'y est de rappeler que le président congolais avait confié le 7 février dernier au secrétaire général de son parti, du DPS, la mission d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, une étape clé en vue de la formation du prochain gouvernement. Voilà, son excellence président de la République, vraiment, nous vous prions que cette fois-ci, vraiment, que le gouvernement soit formé, hein. On a attendu longtemps, ça fait maintenant plus de 3 mois, hein. Donc si on arrive au mois d'avril, si on doit attendre que les sénateurs soient votés, que les nouveaux gouverneurs soient élus, vraiment, ça prendra du temps, ce sera déjà 4 mois. Donc, il est grand temps. Le temps presse, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous avons besoin qu'il y ait un gouvernement. Et nous conseillons un gouvernement avec un nombre pas pléthorique. Un nombre raisonnable. Hein. Pourquoi pas 26 ministres. Pour les 26 provinces. Et puis les 26 ministres avec les vice-ministres, ce sera déjà. Oh là là. Ce sera déjà 52. Les ministres d'État et consorts. Non, 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 non. Ce sera budgétivore. Diminuer vraiment le train de vie de ces institutions. On compte sur vous. Il faut éviter les erreurs du passé. Nous sommes en guerre. Et essayez de réussir ce mandat, ce dernier mandat. Allons un peu plus vite pour qu'on puisse modifier la Constitution. Vous savez que le fou que vous avez appelé Hitler profite du statu quo, maintenant de la Constitution, de l'article 217, pour réclamer les terres. Il y a même un pasteur ou un prélat ou un prêtre qui prêchait, on l'a vu dans les vidéos qui circulaient sur Internet, qu'il disait ça en Kinyarwanda, que Masisi, c'est le Rwanda. Le Masisi appartient au Rwanda. Il a dit ça. Il n'est pas le seul à prêcher comme ça, là-bas au Rwanda. C'est à cause de ces accords-là signés entre Joseph Kabila et le Hitler rwandais. Et les accords de l'Émirat aussi. Vous voyez ? Donc, il faudra faire vite. Voilà, l'autre partie de cette émission dont je voulais parler, c'était la décision
de Christian Bossembé. Christian Bossembé qui a décidé de s'attaquer aux journaleux, pas aux journalistes, aux journaleux, et à tous ceux qui font des éloges à travers les images qu'ils publient ou les vidéos, des éloges des rebelles. Et voilà, c'est Fox Time qui nous donne cette information. Le ralliement à Corneille-Nanga, le CESAC, interdit la diffusion des images de la rébellion dans les médias sous réserve de sanctions. Eh bien, comme j'aime illustrer mes propos, chers compatriotes, je vous ajoute une belle image du président du CESAC. Voilà. Il est là. Permettez que je mette ça. Voilà, on va réduire ça après. Hein. On va réduire. Je suis où? Je suis là. Alors, il va falloir bien faire. Bien faire, c'est bien agrandir ça. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est visible pour tous. Ralliement à Corneille-Nanga. Le CESAC interdit la diffusion des images de la rébellion dans les médias sous réserve de sanctions. Voilà, chers compatriotes, nous allons lire l'article. Eh bien, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça en sigle, adresse une mise en demeure à tout organe médiatique conventionnel ainsi qu'aux plateformes virtuelles qui seraient tentées de magnifier les actes séditieux et de rébellion fomentés par les éléments terroristes affiliés au mouvement M23 opérant dans la partie est de notre pays. Je recommence pour une meilleure compréhension. Ah ouais, bah moi, il y a Zali qui a utilisé. Ah ouais. Bon, salamaka, si vous comprenez, il y a encore à partir, il y a contexte, hein. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication adresse une mise en demeure à tout organe médiatique conventionnel ainsi qu'aux plateformes virtuelles qui seraient tentées de magnifier les actes séditieux et de rébellion. Séditieux, ils allaient carrément rébellion, hein. Fomenté par les éléments terroristes affiliés au mouvement M23 opérant dans la partie est de notre pays. Pour le président de l'organe régulateur de la presse, cette mise en demeure vaut aussi pour quiconque serait pris à propager sur les réseaux sociaux une apologie déplacée du processus de recrutement de ces agitateurs sera soumis aux mêmes sanctions que les instigateurs eux-mêmes. Donc, quand on parle ici des réseaux sociaux, c'est-à-dire des plateformes virtuelles, où il y a le Biwana, il est impératif que les professionnels des médias observent scrupuleusement leurs devoirs éthiques en rejetant catégoriquement toute forme
de justification des activités criminelles, a-t-il écrit sur son compte Twitter, et de poursuivre en ma qualité de président du conseil investi de la mission de veiller à l'intégrité déontologique des médias. Le CESAC n'hésitera pas à engager des mesures sévères à l'égard de toute infraction à ses principes fondamentaux. Aucune argumentation, aussi sophistiquée soit-elle, ne saurait absoudre. Ne saurait absoudre le déshonneur national inhérent à l'usage des armes contre notre propre patrie. Il s'est de noter que 4 personnes cadres du parti PPRD, hein, y compris Henri Maggi, hein, et les Tchaloué, lui-même Nanga, bon, et les autres, dont l'ancien président de la Ligue des Jeunes, ont rejoint la rébellion AFC M23 RDF de Corneille Nangaille. Alors, c'est James Kabwe qui nous fait parvenir cette information. Merci beaucoup, vous êtes avertis. Bokeba, Nakotombo la Batouana. Donc, même ceux qui vont insulter dans la rue le régime et tout ça, ils seront visés. Hein. Voilà, Henri Maggi, on l'a raté. Hein. Moi, j'avais averti dans une émission en septembre qu'il fallait que le PGR arrête cet homme-là. Il était en train de récidiver, donc d'outrager de nouveau le président de la République. Je l'avais dit. Il était en train d'outrager, il avait récidivé. Il était temps de l'arrêter, on ne l'a pas arrêté, et voilà. Aujourd'hui, il est dans la rébellion. Voilà, chers compatriotes. Henri Maggi, en septembre, moi, j'ai fait une publication dans laquelle je demandais que cet homme-là, c'est pas parce qu'il sortait de la prison, il pouvait encore y retourner. Il a outragé encore. Et c'était pire que la première fois. C'était pire que la première fois où il est entré en prison pour ça. Démocratie ne veut pas dire être trop laxiste. Mais non. Il faut un peu de sévérité, un peu de dictature. Hein? La démocratie, c'est quoi? C'est la dictature du peuple. Le peuple vous parle tous les jours à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à partir des parlementaires. Debout, hein, Excellence, président de la République et son gouvernement. C'est bien, merci beaucoup, vous écoutez le peuple. Vous écoutez le peuple, mais il ne faut pas que la justice soit trop laxiste. Libérer facilement des gens, des libertés provisoires faciles pour maladie. Ah, mais non. Voilà, bande konabiso. Nasuki Awa O Nalilo. Et on va se retrouver dans les prochaines émissions. Et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Voilà.